défense de l'équipe de France avec trois joueurs du Paris Saint-Germain pour une Lyonnaise, Wendy Renard. Les temps ont bien changé. Oui, bien joué ça. Ouais, Busaclia, très bon ballon pour leur boulot, trop peut-être dans la profondeur, oui. Difficile en tout cas, dans l'intention, c'est comme ça, c'est ce qu'il faut faire. L'intention est bonne, le jeu en triangle, de toute façon c'est comme ça qu'elles vont passer, en mettant du rythme, en jouant vite. On voit Philippe Bergerot, qui connaît bien cette fédération, cette DTN. Aujourd'hui il est en charge de l'équipe de France, mais il était champion d'Europe avec les moins de 17, et puis il était l'ancien adjoint des Méjaquets en 1998. Ah, il en a connu des belles choses. Hein. Oui, je pense qu'il veut en connaître d'autres. Allez, dans l'avant. Petite porte chance aussi. Eugénie Le Sommer, un peu trop poussé, mais qui peut récupérer, non. Ah, dommage le contrôle là. L'intention était là aussi parce qu'elle veut décaler Elodie Thomis, mais en effet, sa touche intermédiaire un peu trop longue sur la défenseur qui peut intercepter celle-ci. Voilà, vous voyez. L'intention d'aller fixer pour décaler est bonne. Face à Gall. La réalisation un petit peu moins. Louisa Nessy, beau corner pour l'équipe de France. La tête de Wendy Renard que l'on cherche, où elles ont du mal à se dégager. Ce sera pour Gabriela Toth, non. Récupéré par Louisa Nessy, avec Elise Busaglia et Gaëtan Tinet. Tinet, la tête et la barre transversale. Ou en deux temps, ça ne veut pas rentrer, cette tête de Camille Amili. Très très bon centre de Gaëtan qui a vraiment tout le temps pour pouvoir ajuster. Magnifique. Comme il faut. Et là on voit le bon timing, vraiment l'armée frappée de Camille. Et c'est sur sa deuxième tête qu'elle doit s'en vouloir parce que la première, bon. Oui, la deuxième est peut-être plus difficile pour mettre de la puissance justement. Il fallait peut-être la piquer dans ce cas-là. Allez, la voilà Camille Amili. Très loin encore pour Louisa Nessy. Avec leur boulot. Allez, il faut vite se remettre en place et de récupérer ce ballon. En tout cas, on voit l'incapacité des joueurs hongroises, des joueuses hongroises, pardon, à profiter de ces pertes de balles tricolores. Tinet avec Eugénie Le Sommer. Tinet, non. C'est récupéré par Rax, puis par Kajan. Toth. Toth encore. La position haute des joueuses tricolores qui pose problème évidemment. C'était récupéré par Elise Busaglia, Gaëtan Tinet, maintenant Louisa Nessib. Nessib face à Hummel. Eugénie Le Sommer qui se décale, qui se met sur son pied droit. La frappe. Il n'est pas cadré. Non, il prend un peu en dessous. Audacieuse, et elle a raison. Elle en a mis 35 déjà, Eugénie Le Sommer débute en équipe de France en 88 sélections. Et l'enchaînement est bon. Superbe. Oui. Manque la précision. Exactement. Des fois, on veut chercher la force alors que ce n'est pas nécessaire. Mais là, elle le prend un peu en dessous le ballon. Ouais. Donc, il monte. C'est dommage. La voilà encore, Eugénie Le Sommer. Ça va être récupéré par Sabrina Delannoy. Un peu trop poussé, récupéré par Suze. Par Zu, pardon. Peu de moyens du côté des Hongroises. Peu de moyens. Peu de moyens techniques de bien relancer le ballon. Peu de solutions à la porteuse de balle. Donc ça va être un match compliqué pour elle si on continue à mettre de l'intensité en jouant première intention. Et on croise que l'équipe de France retrouvera le 20 août prochain en Hongrie. Elise Busaglia. Avec Wendy Renard et Camille Amili. Il réclame des solutions. Devant. Thomis avec Tinet. Bien joué Gaëtan Tinet. Gaëtan Tinet encore. Le petit centre. Mais là effectivement il y a une marée humaine blanche. Wendy Renard. Wendy Renard, elle est toute seule. Elle a bien joué pour Louisa Nessib. C'est bien parce qu'on alterne un peu les phases de jeu. Maintenant, ça manque un peu de précision technique dans la phase de finition. Entre autres sur ce geste de ouais. Louisa. Dans le dernier geste, il faut effectivement trouver le cadre maintenant. En tout cas, le public du stade Léo Lagrange qui se régale. Et 9000 spectateurs
beaucoup de jeunes filles, mais pas que. Ce football féminin se consomme en famille. D'ailleurs, on rappelle que la semaine du football féminin a lieu du 7 au 14. Oui. Nouvelle initiative de la fédération. Exactement le début de cette action de promotion et de grande envergure menée par la fédération. Avec bien sûr tout le concours du président Noël Le Graët et de son équipe dirigeante. Attention, mise à Messine pour le coup franc pour l'équipe de France. La tête est hongroise, c'est celle de Talosi. C'est récupéré par Su. Bien anticipé par Laura Georges qui récupère ce ballon. Pour bien débuter cette semaine du football féminin, une femme a été nommée pour diriger une équipe de football professionnel en Ligue 2. Et ça, c'est une bonne nouvelle, même si moi je m'émeux que l'on s'étonne. Parce que bon, finalement, il y a tellement de femmes à des postes stratégiques et importants de nos jours. Mais c'est vrai que c'est une première, donc soulignons-le avec beaucoup de plaisir. Oui, c'est une bonne chose et on va dire enfin, parce que je pense que les compétences sont là, donc à partir de ce moment-là, voilà, je pense que c'est pas une histoire de sexe. Attention, je mets de son. Une équipe part dans ses dribbles. Il cherche une solution qu'il la trouve derrière avec Sabrina Delannoy. Pour Elodie Tomis, la pointe de vitesse. Le centre de Tomis directement dans les bras de Reka Zops. Donc lui, on disait une femme en Ligue 2, chez les pros, chez les hommes. C'est ça. Oui, donc c'est bien. J'espère que ce n'est pas juste de la communication. Voilà, c'est une Portugaise. Donc on sait la formation d'entraîneur au Portugal qui est très très renommée dans le monde. Donc je pense qu'elle doit être de qualité. Alors elle a entraîné des sélections jusque-là. Oui. En Iran. Au Qatar aussi. Enfin, il faudra que ces messieurs la respectent en tant que technicienne. Et quand on a les compétences, on se fait respecter. Vraiment. Je lui souhaite de réussir vite. Hein. Pas être en difficulté trop rapidement. Oui. Pas l'être du tout d'ailleurs. Allez, revenons au match. Et 11 minutes de jeu. Cette équipe de France qui a le monopole du ballon, qui pousse les jeunes filles emmenées par Philippe Bergerot qui n'ont pas trouvé encore le chemin des filets. Et on s'inquiète du côté d'Attila Vago. Et de la Hongrie, on rappelle 38e au classement FIFA. Alors que la France maintenant est dans le top 4. Laura Georges prend le meilleur sur Zanette Kaja. Sabrina Delannoy avec Élise Busaglia. Bien joué. Très bon ce ballon pour Elodie Tomis. Attention au retour de Tim Ergal. Ah, en première intention, elle cherchait Gaëtan Tiné. La frappe qui est contrée de Jenny Le Sommer. Allez, c'est pas fini. Louisa Nessib. Ah, il faut y aller hein, au contact. Hein. En tout cas, les Hongroises, elles n'hésitent pas. Il y a beaucoup d'engagement. Oui. Et elles ont raison. Beaucoup d'engagement et en même temps, là on a vu sur cette action un très très bon ballon d'Élise Busaglia qui joue en première intention. Donc forcément, les Hongroises n'ont pas le temps de se replacer, même si elles sont en supériorité numérique défensive, puisqu'elles sont quand même à 5 derrière. Mais elles ont des difficultés à prendre toute la largeur, ce qui est un petit peu étonnant. Mais tant mieux pour nous. Élise Busaglia, là encore loin, mais trop loin devant pour Louisa Nessib qui ne pourra pas récupéré, qui, quoi qu'il arrive, était en position de hors-jeu. C'est la 7e fois que la France et la Hongrie s'affrontent. La France a toujours gagné. A donc remporté les 6 matchs précédents. Et ouais, plutôt moins que plus. Hein, le plutôt hors-jeu. Moins, oui. Hein, on est d'accord. 6 victoires pour l'équipe de France, 0 donc pour la Hongrie. 21 buts marqués pour 0 encaissé. 21 buts marqués, dont 9 par Marinette Pichon. Oui. Qu'on salue. Il y a des équipes comme ça qui réussissent aux buteuses. Marinette, quelle que soit l'équipe, de toute façon, avait cette efficacité devant le but. Redoutable. Récupéré très 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 vite ces ballons. Par l'équipe de France, Sarah Boidi. Camille Abili. Elodie Tomis met le bon retour de Gabriela Toth. Qui n'a d'autre solution que de mettre le ballon en touche. C'est difficile hein, d'être audacieuse quand on est limité techniquement et qu'on est proche de son but. Gaëtan Tiné, le petit coup d'épaule qui va bien. Tiné, la reprise. Ah, trop
écraser peut-être en arrière la Luisa Desib. Un peu sur les talons. Donc c'est dommage qu'elle attaque pas, qu'elle puisse pas attaquer le ballon. Ouais, c'est dommage parce que je pense que si elle attaque, elle peut prendre l'intérieur du pied et cadrer. Là, elle est sur place, c'est beaucoup plus difficile dans l'équilibre. Et on peut encore saluer la qualité de centre de Gaëtan Tinet qui fait juste une saison exceptionnelle avec vraiment, son club de Juvisy. Toujours là. Eugénie Le Sommer dans la profondeur qui cherchait Elodie Thomis qui aura trouvé le pied de Gabriel Attot. C'est pas terminé. Gaëtan Tinet encore au milieu de trois Hongroises qui perd ce ballon récupéré par la capitaine. Contré par Camille Abili pour Luisa Desib. Il y a Le Sommer, il y a Camille Abili. Et ce sera pour les grands bras de Reka Zox. Si on veut passer par-dessus, il faudra passer plus haut. Oui, et s'éloigner certainement du but aussi un petit peu. On l'a vu tout à l'heure sur le premier corner, il était tiré à peu près aux 6 mètres. Elle n'est pas sortie, donc je pense qu'il faut les ressortir un peu. Leur boulot. Un petit mot sur la première division féminine. Avec un Olympique Lyonnais toujours en tête avec 73 points. 18 victoires pour une défaite. Deuxième, le Paris Saint-Germain avec 16 victoires. Un nul et deux défaites. Et l'écart se resserre d'année en année entre Lyon et le Paris Saint-Germain. Troisième, Juvisy qui n'est pas très loin avec 16 victoires, 0 nul et 3 défaites. Montpellier, quatrième, 14 victoires et 5 défaites. En revanche, ça décroche. C'est beaucoup plus loin pour Soyo qui est à la cinquième place. Et on attend un Juvisy PSG le 25 mai. Qui sera chaud. Et qui sera qualificatif pour la Champions League. Donc importantissime, notamment pour le Paris Saint-Germain vu les moyens qui sont mis en place. Et pour Juvisy qui continue de rivaliser avec ses moyens à eux ou à elles. On peut que saluer comme d'habitude. Elodie Thomis au deuxième poteau pour Luisa Desib. Derrière elle. Oh, il a raté ce ballon-là. Récupéré par Fanny Vago face à leur boulot. Et ce sera une touche pour les Hongroises. Un peu plus de concentration dans les derniers ou avant-derniers gestes. Là, on voit Luisa qui a raté son geste qui n'est pas habituel chez Luisa. Par peut-être trop de décontraction. Et il faut marquer là. Oui, on a 16 minutes. Il faut... En tout cas, on connaît cette équipe de France, évidemment. Et on sait qu'on n'a pas l'habitude de prendre les adversaires de haut. Ça, c'est clair. Maintenant, il faut avoir la réussite dans le dernier geste. Où c'est bien joué, ce petit geste technique là, de Rax sur Camille Abili, me semble-t-il. Sur Camille. Le retour de Laura Georges qui a pris de vitesse Zanette Kajan. Elle est toujours là, Laura, du haut de ses 29 ans et de ses 148 sélections. Ouais, Laura qui fait une bonne saison aussi avec le Paris Saint-Germain. Ouais. Donc c'est bien relancé. Ce nouveau challenge, lui. Ouais. Ouais. Lui va comme un gant. Camille Abili. Il est difficile ce ballon, oui, effectivement. Camille toujours à la recherche de la perfection. Jusqu'au boutiste. Grosse travailleuse. Ouais. Et elle a raison. Conjuguer cela avec du talent. Et vous avez une grande footballeuse, Reka Zox, la gardienne du MTK Hungaria. C'est très vite récupéré par l'équipe de France. Eugénie Le Sommer, attention derrière, ça revient. Un peu trop poussé ce ballon. Toujours une Française qui est là. En l'occurrence, cette fois-ci, c'est Elodie Thomis. Sabrina Delannoy. Luisa Desib avec Eugénie Le Sommer. Sabrina Delannoy. La solution, elle est là avec Elodie Thomis. Le centre et la tête de Pape. Récupérée par Élise Busaglia et Luisa Desib. Ouh, qui cherchait dans la profondeur Elodie Thomis. Intéressant de voir la position de Luisa Desib qui est tantôt à droite, tantôt à gauche, tantôt un peu plus en retrait. Oui, c'est. Peut-être que c'est aussi ce qu'a demandé Philippe Bergerot parce qu'elle était vraiment sur son côté gauche depuis les premiers matchs. Et puis c'est vrai qu'elle aime bien retourner vers son axe à un moment donné, toucher un petit peu plus de ballon. Un peu en électron libre alors, hein ? Oui. Je pense qu'il doit lui laisser cette possibilité-là pour rentrer, peut-être frapper. Voilà. Et puis surtout libérer le couloir pour leur boulot qui aime bien le prendre.
Oui, puis elle a cette faculté, cette aisance technique pour pouvoir embêter n'importe quelle joueuse à n'importe quel endroit. Oui. Il faut y aller aussi, hein. Oui. Ça manque peut-être un petit peu d'agressivité parfois. Oui, un petit peu. Puis là, c'est une faute vraiment inutile. On est à 4 contre 1. On ne risquait pas grand-chose. Il me semble que c'est Sofia Rax, l'Hongroise du FC Lubars, qui va le tirer. Allez, attention. Le mur est placé, vous entendez Sarah Boddy. Ouf, cette frappe qui pouvait être dangereuse. Alors évidemment, ça aurait ressemblé à un hold-up s'il avait été mis, mais bon, c'est le football et la réalité, c'est que les joueuses de l'équipe de France dominent mais ne parviennent pas à trouver le chemin des filets. Et qu'on s'est mis en situation dangereuse avec ce coup franc, comme le rappelait Sonia, qu'on aurait pu éviter. Allez. Bien joué. Mélodie Thomis qui est passée à gauche maintenant. Le centre du pied gauche. Non, du pied droit. Du pied droit. Ouais. Elle peut les rater aussi du droit. Bah, apparemment. C'est rare, mais ça arrive. Allez, Camille. Eugénie Le Sommer. Avec Élise Busaglia qui a cherché une solution à gauche, qui n'était pas là, qui arrive. Avec Laure Boulot. Le centre de Laure Boulot. Élodie Thomy, c'est trop croisé, c'est pas terminé. Oh, un peu de réussite là. Dora Park qui avait du mal à dégager, à sortir ce ballon. Et là, il n'a pas manqué grand chose encore. Il y a le feu dans la défense hongroise. Ouais, je trouve qu'on manque un peu d'application dans le dernier geste. Là, d'accord, même si voilà, elle doit mettre un peu l'extérieur. Et là, elle peut même dribbler parce qu'on voit les deux au sol assez rapidement. Voilà, pour enchaîner. Mais bon. Ça va venir. Oui. Faut pas précipiter. Nous voici à mi-chemin dans cette première période et toujours 0-0 dans ce match qualif pour la Coupe du Monde 2015 au Canada. Et on revoit cette frappe, ce coup franc. Dangereux, hein. Une frappe tendue. Oui. En fait, je me disais qu'elle ne pourrait peut-être pas marquer contre nous, mais c'est peut-être les seules possibilités qu'elles aient, c'est en effet d'avoir des coups de pied arrêtés plus ou moins proches de notre but. Oui, mais ça veut aussi dire que la France doit faire preuve de plus de précision. Gaëtan Tine, c'est contré, ce sera un corner. Et il faut se mettre à l'abri. Un quart du chemin de parcouru, rien de marqué. Quelques occasions, certes, côté français, qui recouvrent le score, mais les Hongrois n'en étaient pas loin non plus. Ouais. Je pense qu'on est capable là sur un coup de pied arrêté. Voilà, faut les faire un peu ressortir. Leur boulot. Et c'est la tête de Talosi. Et Lodi Thomis. Elise Busaglia. Une très bonne entame de match, Elise. Très très juste dans ses choix. Allez, leur boulot. Il n'y a personne. Soigner ses qualités de centre, Laure. Je pense que Camille était toute seule au point de pénalty. Quand la défense revient comme ça vers son but, il faut un peu la sortir. Elle un peu, on le voit dans sur le ralenti, un peu en déséquilibre. Oui. Elle a le buste qui tombe un peu vers l'avant. Tombe un peu, ouais. Allez. Zabo qui cherche une partenaire. Allez, simple, Laura. Sarah Boddy, son ex-coéquipière lyonnaise Wendy Renard, Mélodie Thomy, Louisa Nessie, pardon, très loin, très très loin, trop loin. Eugénie Le Sommer qui ne pourra pas mettre le pied sur ce ballon. Et c'est pour Reka Zox. Non, il n'est pas hors jeu. Non. Un bon ballon, mais il n'y a pas l'effet rétro. Enfin, ça a l'air d'être. Manquait peut-être un peu de hauteur. Ouais, voilà. Ouais. Leur boulot face à Zabo, sans problème pour Sarah Boddy. Busaglia, encore un bon ballon, parfait, distillé, cette fois-ci pour Louisa Nessib. Il y a Gaëtan Tine, il y a Eugénie Le Sommer et Elodie Thomis. Allez, un peu de soutien.
Elle va le retrouver avec Elise Busaglia. Elle est trop poussée ce ballon de Gaëtan Tinet. Récupéré par les Hongroises. Balancé en catastrophe devant et récupéré par Wendy Renard. Et maintenant Laura Georges. Ils ont du mal à sortir et à se projeter. Hein. Un petit peu, ouais. Un petit peu de mal à trouver des solutions offensives. Mais en même temps, c'est leur dispositif hein, qui ne leur permet pas. Un petit coup là, Eugénie. Je ne pense pas qu'il y ait eu volonté de faire mal. Je ne pense pas non plus. Mais bon. C'est les Hongroises qui ont le coup franc. C'était pas voté également. Hein. Eugénie Le Sommer. Ça, c'est le ballon. Elodie Tomis. Elodie Tomis avec Kaït. Ah ! Dans le timing ! Ah, il faut revoir ça au ralenti. Est-ce que Gaëtan est parti un peu trop vite ? Ben, je pense que soit elle doit y mettre tout de suite à Gaëtan en voilà, une, là. Et là elle est dans le timing, soit elle doit le mettre, mais dans ce cas-là, au point de pénalty, un peu plus en retrait. Parce qu'on voit Gaëtan qui embarque quand même sa défenseur avec elle, donc soit elle le met en une touche sur Gaëtan, soit après, si elle décide de mettre deux touches, c'est pour mettre en retrait. Ouais, alors je vois la Gaëtan Tinet. Ah, c'est dommage sur ce ballon précédent, là, parce que là. Oui. Toujours un peu limite. Hein. Bon. Non, non, mais là, il y a hors-jeu, rien à dire. D'une épaule, un buste, oui, et une hanche, Mademoiselle Tinet était hors jeu. Allez, il a soif de but, Philippe Bergerot, et on comprend, tant la domination en tricolore est évidente. Reste le plus important. Elle est marquée, hein. L'important. Oui. Allez, il faut aller prendre un peu plus de profondeur. Inadmissible encore. Elle les a mis à ses frappes lointaines, elle est contrée celle-ci. Là, on a forcé alors que Sabrina était toute seule à droite. Elle avait concentré trois défenseurs sur elle, donc là on peut décaler facilement, trouver un peu plus d'espace. Et la nuit tombe sur le stade Léo Lagrange de Besançon, où l'équipe de France ne parvient pas à trouver le chemin défilé pour l'instant. Elodie Tomis. Eh oui, mais là, il fallait trouver, chercher une partenaire. Gabriela Toth qui contre. Non, pardon, c'était Timé Agal. Hummel. Avec Toth. Mal à sortir et à se projeter. Ça, on l'avait déjà souligné plusieurs fois. Gajan s'est perdu ce ballon. Busaglia, Abili, Delannoy et Sarah Boadi maintenant. Un mot pour souligner. Alors c'est pas, ça ne date pas d'hier, il est important de le rappeler que Patrice Lair va stopper sa collaboration avec l'Olympique Lyonnais après de belles années auréolées de titres exceptionnels et notamment en Ligue des Champions. Et Elodie Tomis, en même temps c'est plus difficile, elles sont 5 derrière, hein. Oui, on rappelle les Hongroises. Hein. Donc il faut être juste dans le dernier exactement. Geste. Il faut être juste et il faut de la présence devant le but. Et pour en revenir à Lyon, on ne connaît pas encore le nom de celui ou celle qui pourrait ou pourra succéder à Patrice Lair. Non, pas encore. Moi, j'ai bien quelques noms. Moi aussi, j'en ai quelques-uns. En interne, notamment, des jeunes filles. Vous avez des bons noms. C'est vrai ? Vous pensez à qui ? À Sonia Bonpastor ? Par exemple. Ah, je ne sais pas si leur proposition lui a été faite. En tout cas, ça lui irait comme un gant. Oui, et puis l'OL est dans cette perspective-là. On voit avec Rémi Garde et les garçons. Voilà, il vient de la formation aussi. Donc, C'est une jeune femme qui est tellement respectée. Mmh, exactement. Qui est tellement bien tout ça, qui a tellement une âme de leader. Alors après, c'est peut-être difficile de coacher ses copines. Mais bon, c'est pas évident. Toutes suffisamment grandes et intelligentes pour savoir comment faire. Il y a un moment, elle savait pousser des coups de gueule aussi quand elle était capitaine. Oui. Enfin, la fibre, on l'a ou on l'a pas. Hein. C'est une décision. Que doit l'avoir. Quelle ou est le président Jean-Michel Aulas prendront dans les semaines qui viennent. Une place convoitée en tout cas. Ah, j'imagine. Il doit recevoir quelques CV. Hein. Et pas que des femmes. Non, c'est si sûr. Maintenant il y a des femmes qui viennent officier chez les hommes, comme on l'a vu aujourd'hui. Oh, ce ballon trop profond. Il y a aussi des hommes qui aimeraient bien venir entraîner les femmes. Et en l'occurrence, là, cette équipe de l'Olympique Lyonnais qui a tout gagné en France, en tout cas depuis quelques années. Mais attention à ce Paris Saint-Germain qui, petit à petit, ouais, qui monte en puissance vient quand chatouiller. Même. Oui, oui. Monte en puissance au PSG.
qui devrait encore être champion cette année. Oui, oui, oui. Ce sera bien pour dire au revoir à Patrice Lhaire. Oui, qui peut encore jouer le doublé hein, avec sûr. La Coupe de France aussi. Patrice Lhaire qui a beaucoup d'objectivité. On le disait dès le soir de l'élimination prématurée en Ligue des Champions. Peut-être que mon discours ne passe plus. Oui, je pense qu'il y a un temps. Et l'autotomise, pardon. La reprise de Camille Abili qui passe au-dessus. Oui. Mais on revient. Je pense qu'il y a un temps aussi à faire dans les clubs. Et puis le c'est des cycles, passe, hein, malheureusement. Ouais. Mais il le sait, Patrick. Je pense qu'il a l'intelligence pour le comprendre. Mais quand on est entraîneur, on le sait. Bien sûr. Voilà, cycle de 3-4 ans, déjà, c'est beaucoup. Donc voilà, surtout avec le même effet. En tout cas, la Ligue des Champions, c'est bien. Oui. Ça, on ne voulera pas. Dilou Zanessi avec son accent marseillais. Et oui, peut-être d'un angle. Peut-être d'un angle ou des épaules, on ne sait pas. D'un angle. C'était un peu limite en tout cas. Surtout qu'elle voit la ligne défensive devant elle. Non, mais elle les travaille, ses angles, Louisa. Oui, oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Pas une critique, hein. Ben non, je le prends pas comme ça. Eh bien, nous les hommes, quand on parle des femmes, faut toujours faire attention. Et après, on va dire oui, ils se moquent, ils ceci, ils cela. Non, pas venant de moi. Vous le savez. Non, je confirme. Bon. Non, pas venant de vous, Alexandre. Allez, un peu plus d'agressivité dans les duels. On va gagner des duels. Et Philippe Bergerot qui s'impatiente. 30 minutes de jeu. Les deux tiers de cette première période effectuée. Camille Abili. Mais il faut souligner quand même la bonne mise en place de ce Hongroise derrière. Certes, qui joue en 5-4-1. Ce qui complique leur situation lorsqu'elles veulent contre-attaquer. Pardon. Mais c'est vrai qu'elles sont là défensivement. Oui, elles sont en supériorité numérique. Et puis il y a cette volonté, hein, il y a cette agressivité qui peut nous faire un peu défaut. Oui, et puis c'est vrai qu'elles défendent quand même. Il y a Todd, je pense, à cette arrière-gauche qui défend pas mal sur le temps de passe, qui intercepte beaucoup, beaucoup de ballons. Dalhousie, très loin devant, pardon. La tête de Laura Georges. Celle de Élise Busaglia pour Gaëtan Tinet. Attention, Gaëtan Tinet. Tinet encore, Louisa Nessib, Eugénie Le Sommer. Et on a trop attendu là. Il a peut-être fallu lancer Eugénie beaucoup plus tôt. Oui, je pense qu'elle avait fait le choix en plus d'aller vers la droite. Donc là, elle pouvait jouer avec elle. Mais il y a de la densité, hein, comme vous dites Alexandre. Il y a beaucoup de densité défensive dans l'axe. Donc il faut peut-être un peu plus les contourner. Eugénie Le Sommer. Oui, mais peut-être sur ses contre-attaques quand elles sont un petit peu remontées. C'est là où justement il faut balancer ces longs ballons devant. Un petit peu plus jouer dans l'espace en tout cas, oui. Ouais. Bon, après, il faut être précis. Ah, elle a oublié le ballon, Eugénie. Sabrina Delannoy, mais c'est perdu avec Rax. Le bon retour de Camille Abili, oui. Récupère beaucoup, beaucoup de ballons, Camille. À une époque, c'était facile qu'il y ait plein de blondes et de brunes. Maintenant, elles sont toutes brunes. À part Eugénie. Ça, c'est vrai. Donc, vu de loin ou d'en haut, comme ça, c'est plus compliqué. Oui. Mais on reconnaît quand même le tacle de Camille. Bien. Elle y va. Oui. Bon tacle de Camille Abili. Là, voilà. Allez, personne, allez, faut aller vers l'avant. 132 sélections pour Camille Abili et 27 buts en équipe de France. Voilà qui est bien joué. Et toujours la même volonté, la même soif de victoire. Et c'est un petit exploit que réalisent jusque-là les Hongroises. Oui. Qui n'ont pas encaissé de but. Mais les choix tactiques, la mise en place, cette densité derrière. Et une fois de plus, cette agressivité dans le bon sens du terme font que leur but reste jusque-là inviolé. Il faut rajouter à cela, évidemment, le manque de réussite ou de précision dans le dernier geste jusque-là côté tricolore. Elodie Tomis, c'est peut-être maintenant Elodie Tomis. Ouais,
l'équipe de France. C'est bien joué là, de la part de Gaëtan, qui trouve dans l'intervalle, l'intervalle était un peu trop grand. Plus je disais que cette numéro 7 interceptait beaucoup de ballons, il a suffi que je dise pour qu'on trouve l'intervalle et Elodie Thomas lancé dans son dos. Donc c'est très très bien joué. Voilà, faut trouver un peu plus et l'intervalle et l'espace, ou un peu plus dans la vitesse et dans le temps d'avance. Enfin, Thomas qui ouvre le score. Elodie pour sa 107e sélection, qui marque pour la 30e fois en équipe de France, c'est évidemment amplement mérité. Et là, elle ne s'est pas posée de questions. Non, 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 c'est bien joué. Tout simplement. 1-0. Il reste 10 minutes dans cette première période. Maintenant que le compteur est ouvert, il faut continuer et persévérer. Et c'est sur une des montées de Wendy Renard aussi, parce que là, quand on joue contre un bloc comme ça défensif, il faut que la solution vienne de derrière aussi, il faut apporter un surnombre de derrière. Élise Bussaglia, la frappe du gauche est contrée. Bussaglia encore. Allez, à sa gauche il y a Louisa Nessib. Nessib face à Zabo. Nessib, le pied droit et la tête de Talozzi. L'Orboulot qui fait l'effort, Vago la hongroise non, et Wendy Renard avec Laura Georges. Et on va changer de côté pour terminer du côté de Sabrina Delannoy. La Parisienne avec Laura Georges encore. Allez, là, il faut apporter un surnombre. Camille Abili qui a refait son nœud de chaussure. Le crampon en l'occurrence. Eugénie Le Sommer, le petit pont. Louisa Nessib. Intéressant ce ballon avec Gaëtan Tine et Camille Abili. Eh ouais, mais elle est là, elle. La petite numéro 11, Dora. Bien joué, ça, une touche de balle. Bah, il n'y a que comme ça hein, qu'on peut les prendre à défaut. Parce qu'elles n'ont pas notre rythme. Donc à partir de là, on a toujours et facilement un temps d'avance. Ah, quelle qualité de passe de Gaëtan. Magnifique. Passeuse, buteuse, elle sait tout faire. Centreuse tout à l'heure. Oui. 33e sélection pour Wendy Renard, qui n'a que 23 ans. Pas compliqué, j'ai l'impression qu'elle a toujours été là. Oui. Commencer si jeune en équipe de France. Gaëtan Tine, la frappe un peu trop écrasé, et l'intervention de la grande Reka Zox pour arriver à se déplier, mais lorsqu'elle est allongée, évidemment, ouais, c'est dommage vu sa grande taille. Ouais. Et on a vu Eugénie Le Sommer qui intelligemment a stoppé sa course, comprenant que Gaëtan allait tenter sa chance. La voilà, Eugénie Le Sommer. Ouais. Oh, qui cherchait là encore Gaëtan Tine. Beaucoup de densité dans l'axe. Ils sont là, les 5 hongroises derrière. Ouais. Hein. On sait, hein, quand on se joue en 5-4-1, marquer un but relève du miracle. Mais en mettre devient beaucoup plus difficile. Pour l'équipe de France, évidemment. Sabrina Delannoy avec Elodie Thomas. Tranquillement, on repasse par Camille Abili. Renard. Camille Abili avec Laura Georges. Élise Bussaglia, Laura Georges encore. Sabrina Delannoy. Il faut se projeter un peu vers l'avant. Camille Abili. Et on la voit bien, cette fameuse densité du côté des Hongroises qui galope. Quadrille parfaitement cette pelouse du stade de Haut-Lagrange. Louisa Nessib. Elles quadrillent bien, mais elles sont en retard hein, sur le cadrage. Donc, dès qu'on joue en une touche, on les met vraiment tout de suite en difficulté. Voilà, et nous, on a quand même cette qualité technique de pouvoir le faire. Wendy Renard. L'Orboulot avec Élise Bussaglia. Intéressant ce ballon pour Gaëtan Tine. Camille Abili avec Elodie Thomas. Le contre favorable qui cherchait Sabrina Delannoy. Il y a un peu plus de mal à se projeter vers l'avant. Oui, c'est vrai que sur ce côté droit, avec plus d'automatisme avec Jessica Ouara. Alors qu'on arrive bien ce côté gauche à dédoubler, ouais, entre L'Orboulot et Louisa Nessib. Ou Eugénie Le Sommer, on a plus de mal là. C'est pas la qualité première de Sabrina, donc on le couloir.
Oui, on rappelle que c'est pas son poste de prédilection. Hein. Là, c'est vrai qu'on lui met, enfin, Elodie lui a mis un ballon un peu à contre-temps, donc c'est d'autant moins facile. Ou d'autant plus difficile. Exactement. Elise Busaglia avec Louisa Nessib. Nessib, ouais, mais qui attendait leur boulot sur le côté gauche. Wendy Renard. Cinq minutes encore dans cette première période et cette équipe de France qui mène depuis la 35e minute grâce à Elodie Tomis qui a marqué son 30e but en équipe de France en 107 sélections. La joueuse originaire de Guadeloupe qui a fait trembler enfin les filets de Mademoiselle Reka Zorc. C'est bien jeté là. Gabriela Toth. Ouais, il faut bien occuper la largeur. C'est bien ce qu'elles font derrière leur bras, parce que c'est difficile hein, quand vous avez comme ça jamais le ballon. Et pas d'affolement, restez bien en place alors que ça va dans tous les sens et qu'à tout moment la ligne peut être transpercée, c'est difficile. Hein. Après, elles protègent leur but, hein, elles le font pour l'instant assez bien. Ouais. Camille Abili. On voit hein, son supériorité numérique. Derrière. Oui. Vous en avez cible. Leur boulot face à Szabo. Nessib encore avec Eugénie Le Sommer. Camille Abili. La frappe de Camille Abili qui passe légèrement au-dessus de la barre transversale de Reka Zorc. C'était bien joué de la part de Camille. Voilà, faut les faire peut-être un petit peu sortir. La prochaine fois, elles viendront peut-être un petit peu plus vers elle. Et du coup, ça libérera d'autant plus d'espace. Alors, l'enchaînement est bon. Elle en a mis des beaux buts comme ça, lointain. Si je ne m'abuse, elle en a mis en finale de Ligue des Champions. Oui. Au stade olympique de Munich. Oui. Qui était juste sublime. Magnifique. Sabrina Delannoy. Allez, qui me fait mentir. Et... ouais. Manque un peu de présence là devant le but. Voilà, il faut qu'il y ait la qualité de centre hein, aussi. Aussi. Terminé trop poussé ce ballon de Hummel récupéré par l'équipe de France. Louisa Nessib. Encore un peu plus de 2 minutes dans cette première période. On voit, on n'occupe pas totalement la largeur, donc ça facilite les Hongroises. Eh oui, il faut les étirer ces lignes. Ouais. Vous voyez, on rentre un peu trop vite, donc du coup c'est plus simple d'intercepter. Allez, et puis ça doit venir de derrière. Sur nombre. Allez, en une. Eugénie Le Sommer. Ça, c'est bien joué pour Elodie Tomis encore. Elodie Tomis qui cherche la tête de Gaëtan Tillet. La bonne parade de Reka Zorc. Bel arrêt de la gardienne. Oui, c'était un ballon de 2 à 0. Très bon centre de Elodie Tomis. Très très bon décalage avant de Camille Abili en une touche de balle. Dès qu'on accélère le jeu, hein, on joue en une, elles ne suivent pas notre rythme. Et belle arrêt de la gardienne. Louisa Nessib. Allez. Non, c'est la tête de Rax. Sabrina Delannoy. Qu'on ne sent pas en grande confiance hein, dans ce couloir là. Autant défensivement, c'est. Bon, en même temps, elle n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent défensivement, mais. Son rôle qui pourrait être ou qui peut être offensif, notamment sur les centres. Surtout face à une équipe comme celle-ci. Il faut y aller, il faut tenter, il faut être audacieuse. Là. Une grande fille, Sabrina, 27 ans, mais seulement sa 16e sélection en équipe de France. Et on en profite pour saluer Bruno Bini. J'ai entendu s'est exprimé aujourd'hui concernant. L'arrivée d'une femme dans le monde professionnel masculin en disant attention, on pardonnera moins à une femme. Et c'est vrai. Oui. Non, il fait un grand coup. Ouais. Allez, il faut les empêcher de ressortir. Ouf. Allez. Voilà, bonne agressivité qu'on attend. Oups, là, par contre, là, oui, attention, là. Là, elle y allait un petit peu trop, la Sabrina Delannoy. Et elle a pu faire mal
à la capitaine hongroise Angela Hummel-Schmulzler. Alors ça au ralenti, j'ai l'impression qu'elle a été prise un peu en ciseaux là. Le genou un peu dans le dos, ouais. Ouais, ouais. Ça, ça fait très mal. Et puis ça peut en effet faire mal. Mmh. Il y a le pied droit et le genou gauche. Ouais. Donc elle est un peu prise en sandwich. Et c'est la fin de la première période, signalée par madame Jana Adamkova. Nous avons profité pour soigner la capitaine Angela Hummel. 1-0, but des deux de Tomis à la 35e minute. On marque une petite pause sur des 17 et on revient pour la seconde période. A tout de suite, ne bougez pas. La guerre se prépare, Ned. Je ne sais ni quand ce sera, ni quels seront les combattants. Mais la guerre viendra. Non ! Je t'avais pris pour un roi. Je devrais porter l'armure, et toi, les jupes. Il m'est impossible de gouverner si les Stark et les Lannister sont à couteau tiré. Quelle nouvelle ? Jon Arryn a été assassiné. Le roi est en danger. Tuez cet homme ! Tuez-les tous, je vous l'ordonne ! Quand on joue au jeu des trônes, soit on gagne, soit on meurt. Game of Thrones. Ne passez pas à côté du phénomène. Ce soir à 23h50 sur D17. Do you want me to... Oh, so nice of you, Mr... George. George Clooney is inside! Nespresso, what else? En rose, le nouveau parfum irrésistible, Givenchy. Chaque tasse de café peut laisser des taches sur vos dents. Freedom White contient des micro-cristaux et aide à enlever les taches. Freedom White pour des dents propres et blanches après chaque café. Un repas. Un café. Un Freedom. L'innovation Schwarzkopf, développée avec Claudia Schiffer, nouveau essence ultime. Pour des cheveux intensément réparés, incroyablement brillants et une couleur magnifique. Nouveau essence ultime de Schwarzkopf. Ma qualité professionnelle pour vous. Et en ce moment, profitez de réductions exceptionnelles sur toute la gamme essence ultime. Sur eDarling, un membre sur trois rencontre l'amour. C'est le résultat d'un service fondé uniquement sur la compatibilité entre nos membres. eDarling.fr, exigez des rencontres de qualité. Chloé a toujours été timide et réservée. Alors le jour où elle a trouvé un job en province, elle s'est dit « il va falloir t'ouvrir ma fille ». Et elle s'est ouverte. Pas en prenant des cours de théâtre, pas avec un coach, non. Chez Castorama, oui, chez Castorama, une terrasse. Qu'y a-t-il comme meilleure ouverture sur l'extérieur et sur les autres qu'une terrasse? Vous voyez, en fait, se faire des amis, c'est castoche. 26,90€ le mètre carré de nouveaux amis. Castorama, c'est castoche. Il a remporté le prix d'excellence France de la beauté Marie-Claire 2014, le premier lait corps sous la douche de Nivea. Comme d'habitude, je me lave, je me rince. Appliqué sur ma peau mouillée, il pénètre en quelques secondes. Je me rince, ma peau est parfaitement hydratée pendant 24 heures et je suis déjà prête à m'habiller. Lait corps sous la douche de Nivea, un instant pour l'appliquer, une journée bien hydratée. Après 30 ans d'absence, le retour du corsaire le plus connu de toute la galaxie, Albator, en Blu-ray DVD, Ultimate Edition Blu-ray 3D et VOD. Ma pause fruit, les fruits mixés pour adultes. Ma pause fruit, là où j'ai envie. Materne. La légèreté de l'eau, le teint nude idéal. Révolution de teint nude magique de L'Oréal.
Je l'agite et je découvre une texture fluide et fraîche, comme de l'eau. Je l'applique et je découvre une couvrance parfaite. Zéro effet matière. Eau de teint Nude Magic de L'Oréal Paris. Et pour flouter instantanément pores et imperfections, Nude Magic Blur Cream. Effet peau nue parfaite. Cet été en Andorre, ouvrez une nouvelle page blanche. Soyez surpris au détour de chaque pas, de chaque virage. Et découvrez que l'impossible peut devenir réalité grâce à Scalada Mater Natura, le nouvel événement du Cirque du Soleil en plein air, gratuit et unique en Europe. Visite andorra.com. Nouveau Vivel incassable, le premier gel hyper fixant à texture ineffritable pour un style à toute épreuve qui résiste aux chocs les plus féroces sans résidus. Nouveau gel Vivel incassable, coiffez toutes vos envies sur viveldop.fr. Avec lesfurets.com, j'ai comparé plusieurs contrats. J'ai souscrit le mien 248 euros moins cher. Pour votre assurance auto, lesfurets.com. Comparer et acheter futé. Là tout de suite. Je peux plus attendre. Ce mélange unique de chocolat et de caramel, c'est trop... Céréales Lyon, le plaisir sauvage. Love and Shine de Jeanne, suivez sa lumière. Ryan Gosling. Je peux faire ce que tu veux. Qu'à me dire ce que tu veux que je sois pour toi. Le film qu'il a révélé. Nous n'étions que des enfants. Mais nous nous aimions vraiment, n'est-ce pas? Everything will change. Inédit, n'oublie jamais. Demain à 20h50 sur D17. Retrouvez votre soirée cinéma avec Expedia.fr. Retrouvez votre soirée cinéma avec Laser Game Evolution, centre de jeux laser. Bah, Claire, qu'est-ce que tu fais avec cette coloration? Bah quoi, c'est pas pour moi, c'est pour toi. Quoi? T'as plein de cheveux blancs. Là, t'en as un là. Non. C'est Moonchari. Ouais, bah ok, je veux bien essayer, mais alors uniquement parce que c'est garanti prix le plus bas carrefour. Et Claire? Ouais. Je t'ai trouvé un nettoyant visage. Cool. Ouais. Pour voir à quoi tu ressembles en vrai. Lâche-la un peu. Et en moyenne, sur le total de ces 200 produits de grande marque, Leclerc est plus cher de 5,1% et Géant Casino plus cher de 10,6%. Carrefour. Bonjour, je dois changer mes freins. Nous changeons vos plaquettes à partir de 49 euros. Ah, à ces prix-là, ça doit pas être de la top qualité. Monsieur, ce sont des plaquettes Bosch. Le meilleur de la technologie et de la qualité allemande. Feu vert expert et en plus moins cher. One nil and the crowd goes wild. Son, I've got 50,000 fans screaming my name. That's not fair. Well, I've got boots that aren't even out yet. L'innovation Schwarzkopf, développée avec Claudia Schiffer, nouveau essence ultime. Pour des cheveux intensément réparés, incroyablement brillants et une couleur magnifique. Nouveau essence ultime de Schwarzkopf. Moins qualité professionnelle pour vous. Et en ce moment, profitez de réductions exceptionnelles sur toute la gamme. Les 4 milieux avec elle, donc un groupe, vraiment un bloc à 9 très bas. Donc je pense qu'avec un peu plus de qualité technique, on est capable de faire une différence plus... plus poussé. Il est évident que cette équipe de Hongrie ne va pas changer son système de jeu.
Les Hongroises, on le rappelle, 38e au classement FIFA. Une équipe de France à la 4e place. Jamais les Bleus n'ont été aussi haut. Une équipe de France invaincue dans ce parcours de qualification pour la Coupe du Monde 2015. 6 matchs, 6 victoires, 41 buts pour 2 concédés. Alors que la Hongrie, de son côté, est 4e. Bien loin de la France et de la Finlande. 2 victoires et 3 défaites. L'équipe de Hongrie qui est en apprentissage. Alors que les Bleus doivent confirmer et réussir à cette prochaine Coupe du Monde, à franchir l'étape d'une demi-finale d'une compétition internationale. C'est vrai qu'on fait figure maintenant de favori dans les compétitions, donc forcément c'est à nous de faire le jeu face à ces équipes qui sont moins bien classées que nous au classement FIFA. On doit faire la différence et c'est juste normal par rapport à notre niveau de jeu. Laura Georges avec leur boulot. Mise à décible et tout de suite une et deux Hongroises sur le dos, dont notamment Fanny Vago. La touche rapidement jouée pour l'équipe de France. Gaëtan Tinet accroché peut-être un poil là. Oui, le bras. Non. Ah, je pense que la première faute en effet était pour Gaëtan. Ouais, qui se fait un peu là, tirer quand même. Voilà, là, à ce moment-là. Bah oui, alors après elle tient l'autre. On dirait les maillons d'une chaîne, mais. Allez. La tête de Wendy Renard. La tour de contrôle de cette défense tricolore. La touche pour les Hongroises et pour Fanny Vago. Ce sera pour Mademoiselle Zabo. Boglarkak Zabo, joueuse du Astra Hongarie. Lia. Qu'est-ce que ça siffle là? Sabrina Delannoy avec Elodie Thomis. Thomis face à Toth qui est passé encore. Elle aura donné le vertige dans ce couloir. Face à Gall, cette fois-ci la bonne intervention de Timéa Gall et la touche pour l'équipe de France. Voilà une bonne entame de deuxième mi-temps. Voilà, il faut vraiment mettre du rythme. On est capable de mettre du rythme face à ces équipes et de la justesse, bien joué. Eugénie Le Sommet en deuxième poteau. Oh, la superbe reprise de Louisa Nessib et l'intervention de Reka Zox. Quel beau geste, très bien équilibré. Il a la prise de ballon bien au milieu, donc le ballon part droit. Qualité de centre remarquable, ouais. De Eugénie Le Sommer. C'est pas terminé, Louisa Nessib encore. C'est contré cette fois-ci. Ah, il me tarde que notre réalisateur Yvan Baudelès nous remontre ce centre et cette reprise de volée. Certains poils sur la gardienne, mais le geste est juste magnifique. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile à réaliser. Hein. Oui, c'est ce qu'il y a de plus difficile, enfin, surtout dans cette zone de finition, parce que c'est aussi beaucoup d'automatisme et une question de timing. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais là, c'était vraiment bien joué de la part de ce duo. Hein. Eugénie qui met un bon ballon, qui j'espère fera une meilleure deuxième mi-temps que sa première. Et Louisa, ben, voilà, qui est capable de faire ce genre de geste technique. Elise Busaglia dans la profondeur, mais la tête elle est hongroise. La récupération de Rax qui cherche Eric Azu. Et ce sera une touche pour les Hongroises. Le voilà, ce centre de Eugénie Le Sommer. Et regardez cette reprise. Oh, c'est beau ce geste, tellement difficile, oui, à réaliser. Et elle le prend peut-être un tout petit peu derrière elle. Un petit peu, un poil. Hein. Ouais, elle le fouette un petit peu. Oh, que c'est beau. Oui. Le prend avec le bas du tibia. Oui. Il est peut-être un tout petit peu haut, juste un ballon. Hein. En tout cas, c'est magnifique. La frappe de Louisa Nessib qui n'est pas cadrée. Bah, elle veut marquer Louisa à la fin. 115e sélection, 29 buts. Trop écrasé, trop croisé. Ouais. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants dans ce stade Léo Lagrange. Demain c'est férié. Guichet fermé ce soir à Besançon. Oui, puis il y a certainement les 250 lauréats du football des princesses, puisque c'est une grande action de promotion mise en place par la fédération, donc qui ont été récompensés en passant la journée avec les Bleus hier et puis assister à ce match ce soir en tribune. Un beau cadeau. Quand on connaît la disponibilité de ces jeunes femmes, pas de doute qu'il aurait attendu se régaler. Oui. Alors après, on est dans le cadre d'un match qualificatif pour une Coupe du Monde.
Oui. Donc on ne peut pas tout faire non plus, c'est pas open bar, mais une fois de plus, quand on connaît la disponibilité, la gentillesse des jeunes filles de ce groupe. C'est vrai qu'elles le font avec bon cœur et générosité. Bon cœur, ouais, vraiment plus naturel aussi, donc c'est bien. Plus facile, hein. Et je ne vise personne quand. D'ailleurs, je ne compare à personne. Allez, le staff avec Philippe Bergerot. Et vous avez vu l'entrée. Entraîneur. L'entraîneur des gardiens, Sandrine Roux, que l'on salue. Elle a longtemps été à votre place. Oui. La roquette. Elle va être bien là où elle est aussi. Hein. Ouais, elle est bien aussi. Elodie Thomis. Un peu trop poussé ce ballon. Et ce sera un corner. Bien joué parce qu'elle s'était mise en difficulté. Hein. Ouais, là, bon, sauf s'il y a une erreur d'interprétation de l'arbitre, mais non, c'est bien ça. Le petit talon de mademoiselle Timéa Gall et un corner pour Louisa Nessib et pour l'équipe de France. Allez, sur un corner sortant, comme ça on peut être dangereuse. Le pied droit de Louisa Nessib. Ah, ça manque un peu de. C'est magnifique cette déviation de la tête au premier poteau de Camille Abili. J'allais dire, il manque peut-être un poil de hauteur. Oui. Que nenni les amis. Très très bien joué de la part de Camille. Bien, on va dire qu'il est bien frappé parce que Camille a juste à mettre la tête en opposition et à décroiser parce que le centre est puissant. Quelle déviation de la tête. Vraiment, oui. C'est, Camille il est dur ce geste. Hein. Oui, Camille a vraiment ça. Il est un tout petit peu bas quand même. Oui, elle va le chercher. Voilà, elle va le chercher. Mais alors qu'est-ce que c'est beau. Quelle justesse du grand Camille Abili. Ouais, 28e but. Très très bien joué. Pour Camille en équipe de France. Et 2-0. En tout cas, on a déjà deux beaux buts. Et ça, on est preneur. C'est mérité pour Camille par rapport à sa première mi-temps. Son engagement. Oui. De manière générale, Eugénie Le Sommer qui cherchait à droite Elodie Thomis mais qui ne pourra pas se dédoubler. Non. Ah, Billy, écoutez-les. Camille fait partie de ces joueuses en plus qui sont en effet très naturelles avec le public et toujours, enfin on lui demande quoi que ce soit, elle est toujours présente. Elle est pro. Donc c'est bien. Gentil, naturel, oui. Simple, dans le bon sens du terme. C'est contré par Eugénie Le Sommer, ce sera une touche pour Léon Gros. Leur boulot. Allez les bleus, Eugénie Le Sommer. Le Sommer face à. Aller peut-être chercher en effet derrière dans le dos du dernier défenseur qui revenait. Et tout devant. Oui. Eugénie Le Sommer. Avec Laure Boulot et Wendy Renard. Camille et Billy. À Billy encore. Quelle prise d'info de Bélis vraiment là. Avant de recevoir le ballon, elle sait où elle va jouer parce qu'elle a déjà pris l'information tout autour d'elle. Oui. C'est bien que les jeunes joueuses la regardent à son poste.
Lens. Oui. Beaucoup d'anticipation avant la prise de décision. Oui. Et le geste qui est quasiment à chaque fois propre. Ça facilite. Oui. Évidemment. Allez, Hummel derrière, mais c'est récupéré par Eugénie Le Sommer. Face à 3-4 hongroises, il y a une muraille hongroise. Elle a voulu se retourner, se donner le ballon là, Zanette Kajan. Mais Laura Georges était là. Et on ne la lui fait pas. Wendy Renard avec Louza Nessib. On se projette un peu plus vite devant là, du côté des Hongroises. Oui. On le faisait en première mi-temps. Alors ça va peut-être créer vite, des espaces aussi derrière. Hein. Oui, c'est possible. Elles viennent gêner un peu plus haut. Ah, et Vago, on l'avait rarement vu ici. Hein. Oui. Et là, il va falloir qu'elle court pour revenir maintenant. Hein. Oh, ce ballon. Ah, dommage, là, le petit contrôle, mais qu'est-ce que c'est difficile ce geste. Oui. En pleine vitesse, en tout cas, ce ballon était parfait. De qui? D'Élise Buseglia, regardez. Millimétré. Elle a vraiment un jeu long, une qualité incroyable et une précision vraiment parfaite. Louza Nessib. Camille Abili avec Gaëtan Tinet et Louza Nessib. Nessib pour Gaëtan Tinet, un peu dans le dos. Nessib à droite qui cherchait Elodie Tomis et c'est Gabriela Tott. Mais finalement, Elodie Tomis avec Louza Nessib. Nessib encore. Camille Abili qui lui montre. Oui, faire tourner. Voilà. Faire tourner plus vite. Wendy Renard, attention, un peu pousser ce ballon. Ouais, là aussi. Mais elle est encore là, elle se bat. Et la volonté de Wendy Renard. Camille Abili. Élise Buseglia. Laure Boulot qui cherche Eugénie Le Sommer. Elle est passée, Eugénie. Le Sommer. Derrière elle avec Laure Boulot, le centre pour personne derrière là-bas. Gabriela Tott face à Elodie Tomis. Et Zu, Tott encore. Rax. Petit temps de retard pour aller faire jouer sur ce côté. Ouais, avec le pressing de Sabrina Delannoy. Et un changement. Absolument. Et la sortie d'Eric Azu, justement remplacée par mademoiselle Alexandra Zarbas, joueuse du SC Kriens. Une milieu pour une milieu, c'est du poste pour poste. Oui, oui, vous allez pouvoir y aller, mademoiselle. Une grosse demi-heure pour convaincre sa coach Attila Vago que la première fois, la prochaine fois, on va la mettre titulaire. ça doit être son objectif, oui. Sont belles ces images de tous ces jeunes là qui applaudissent et qui viennent pour prendre du plaisir dans un stade de football et se régaler. Ou l'intervention de Wendy Renard. Elle touche le ballon. Hein. Elle touche le ballon devant Fanny Vago. Elle va être avertie et un carton jaune pour Wendy Renard. On va revoir que certes elle se jette. C'est plus impressionnant que autre chose. Bon, après il suffit que Vago lève les pieds, il se passe rien. Hein. Bon. Allez, la capitaine Wendy Renard. Averti, une heure de jeu, 2-0. Elodie Tomis à la 35e, Camille Abili à la 52e. Talosi pour ce coup franc, loin devant. Oh, attention, la tête de Laure Boulot. On se parle entre Sarah Boidi et Wendy Renard. Pas d'incidence, pas de problème. Laura Georges. Saglia avec leur boulot. Gaëtan Tinet. Mais qui est un peu plus en retrait que elle ne l'était en début de match. L'islam, c'est elle qui va avoir l'occasion de frapper, de croiser.
et de marquer Gaëtan Guinet, 50e but en équipe de France en 106 sélections et 3-0 à l'origine, à la passe et à la finition du Guinet, quoi. Très très bien joué, puis une frappe bien décroisée, petit filet, pas forcément très puissante mais très bien placée, donc ça suffit. Sur un décalage au départ, c'est vrai qu'elle est au départ de l'action, elle va bien fixer intérieur, elle décale bien Eugénie, qui je pense voulait jouer avec Camille, mais le ballon continue sa route. Et là c'est bien enchaîné, ouais. Très très bien enchaîné. Le réalisme de Gaëtan Tinet. Oui. Qui n'en fait jamais trop, mais juste ce qu'il faut, comme il faut. C'est efficace. Entre les jambes de Talosi. Et 3-0 pour l'équipe de France. Voilà qui ressemble le plus à la physionomie de cette rencontre. Oui. Et ça ne devrait pas s'arranger pour nos amis hongroises. Écoutez, et 1 et 2 et 3-0 scande le jeune public du stade Léo Lagrange de Besançon. Sortir un tel. Cache-toi, il y a les caméras des 17 qui te regardent. Ouais, je pense qu'il y a des choses à, des choses à faire sur ce on match-là. On balance tout sur Twitter, hein, sinon. Allez, Wendy Renard. Nous avons ici. C'est intéressant de voir la position de Gaëtan Tinet qui était un peu plus offensive en première période. Mais je pense que c'est là où elle est le mieux, Gaëtan. Vraiment, quand elle tourne autour de l'attaquante de pointe, elle vient parce qu'à la base, c'est quand même le milieu de terrain. À la base, c'est quand même le numéro 10, un peu à l'ancienne. Donc je pense que c'est vraiment le poste qui lui correspond mieux. Et avec Eugénie en pointe, ça lui correspond aussi à elle beaucoup plus. La longue frappe et l'anticipation de Sabrina Delannoy. Personne sur Tote, mais qui n'a pas d'autre solution. Et c'était le rangeur. Wendy Renard. Toujours avec Lisa Messib. Lisa Messib, la perte de balle de Genie Les Sommers. Côté gauche, Gaëtan Tinet est contré. Camille Abili. Avec Elise Busaglia. Leur boulot. Ah, c'est bien joué. Ouais. Elise Busaglia encore. Voilà, entre deux, bien joué. Et Tantinet qui a tenté une petite talonnade, ça revient sur Elise. Camille Abili. Sabrina Delannoy avec Camille Abili. Attention. À Sarvas qui vient de rentrer et le ballon est perdu et récupéré par Laurent Georges. Avec Sarah Boigny. Pour Wendy Renard. Avec leur boulot, on sent qu'il y a du travail derrière parce qu'en même temps il y a beaucoup de liberté, oui. Mais liberté ne veut pas dire affolement ou non. Je pense qu'il y a des automatismes qui sont travaillés et là les joueuses sur ces phases là un petit peu de possession, elles attendent un peu le starter pour déclencher l'action offensive. Ouais, puis on voit des joueuses comme Gaëtan Tinet, comme Lusanne Essib qui finalement peuvent jouer à différents postes, oui. Presque, oui. Et que les coéquipières et camarades s'adaptent et que voilà, le quadrillage reste parfait, oui. Demeure intact. Bon, certes, c'est face à une modeste équipe d'Hongrie et on a vu le troisième but signé Gaëtan Tinet. Il inscrivait ainsi son 50e but en équipe de France. Mais c'est vrai que c'est un peu ce qui nous manque, ce qui nous manquait un petit peu en France, c'est à savoir dézoner. Attention, ouais. Elle n'est pas hors jeu là. Et elle est partie, pas pour longtemps. Laura Georges a fait le ménage. C'est récupéré par Elise Busaglia finalement et leur boulot. Donc je disais en fait qu'on a tendance un peu en France à avoir un poste bien précis, à rester dans sa zone préférentielle, etc. Contrairement peut-être aux japonaises, je pense que c'est aux japonaises qui ont cette force-là de dézoner mais sans déséquilibrer l'équipe. Et nous, je trouve qu'on arrive en effet à le faire un peu plus, en effet face à un adversaire un peu plus faible. Là, c'est bien joué.
adversaires un peu plus faibles, mais justement, c'est contre ces équipes-là où on peut justement le faire pour voir comment on réagit et comment on se rééquilibre dans le temps de jeu, quoi, tout simplement. Si je vous dis France-Brésil, vous pensez à quoi ? Moi, je pense à 98. Hein. Raté. Si je vous redis France-Brésil, vous pensez à quoi ? Moi, je dis pas... 11 juin. Ah, voilà, là, là, vous êtes d'accord. Parce que s'il y a un France-Brésil à la Coupe du Monde masculine, on va se régaler. Auparavant, le 11 juin sur les 17, il y aura bien un France-Brésil avec l'équipe de France féminine. Attention, Elodie Tomis, ça l'est passé. Ah, il faut donner un peu plus tôt son ballon. Elle l'a encore. Élise Bussaglia maintenant. Leur boulot, le centre, le pied de Gaëtan Tiné, c'est légèrement au-dessus. Oui, France-Brésil sur les 17, équipe de France féminine face au Brésil. Ce sera le 11 juin à 20h50. Et on vous le rappelle. C'est à ne pas rater. Absolument. Quand deux des plus grandes nations du monde du football s'affrontent, il y a une guerre d'égo, une guerre de championne. Ouais, puis on a besoin de ces matchs-là. Oui, puis on en a une Coupe du Monde. Hein. Ouais. Si la France se qualifie, mais bon. Du mal à se dire que ça pourrait pas se faire. Le long ballon dans la profondeur. Le petit contrôle tout petit peu raté là de Sarvas. Et Wendy Renard a fait le boulot. Élise Bussaglia. Allez, se projeter vers l'avant et rapidement. Camille Abili. On a vu à droite que ça a démarré pour Elodie Tomis. Un peu trop haut dans l'axe. Non, c'est récupéré par Elodie encore. Pas pour longtemps. Gall et Tot, les deux là. La 5 et la 7. Ils ont énormément couru ce soir. Qui n'était pas trop de deux pour contrer Elodie Tomis. Hein. Ben, je pense que de toute façon, face à cette joueuse-là, il faut la joueuse dans sa zone et puis la couverture. Ça, c'est sûr, pour éviter la prise de vitesse et couper sa course. Ouais. On ne connaît pas beaucoup de joueuses plus rapides qu'Elodie Tomis. Non. Ou alors, il faut vraiment que ce soit un très très bon défenseur qui défend vraiment intelligemment. Voilà, mais c'est sûr qu'en vitesse pure, c'est pas évident. Camille Abili avec Élise Bussaglia. Boulot avec Mouza Nessib. Amélie à droite avec Sabrina Delannoy pour Elodie Tomis. Tomis qui a tenté de combiner avec Gaëtan Tinet. Allez, Sabrina Delannoy qui doit faire l'effort. Bien joué. Le beau geste défensif de la Parisienne sur Hummel. Et voilà Amandine Henry, la Lyonnaise. Il devrait quand même avoir une conséquence, ce carton jaune de Wendy Renard. Oui, je pense qu'elle devrait être en effet suspendue sur le match retour contre la Hongrie, là, début septembre. Ce qui est préférable quand on connaît quand même la qualité des attaquantes finlandaises. Surtout dans l'impact athlétique et le jeu de tête. Vous êtes en train de dire qu'il vaut mieux être suspendu contre la Hongrie que contre la Finlande ? C'est un peu ça, oui. Ouais, ouais. Allez, maintenant on parie. Elle n'est pas rentrée, vous, Wendy Henry. Au milieu. Vous changez déjà votre étiquette. Notre réalisateur Yvan Baudenès nous l'a montré. Je vois mal en fait sortir Camille ou Élise Bussaglia, vraiment, parce que vu leur match, c'est quand même, elles font quand même un gros match toutes les deux. Donc, Sauf peut-être, non, je vois pas. Je pense que moi aussi, peut-être plus Sabrina Delannoy, air droit, ouais, peut-être. À voir. En tout cas, s'il veut tenter des choses, c'est le moment. Philippe Bergeron. Et comme c'est un match qualificatif pour la Coupe du Monde, il n'aura pas 36 changements non plus. Non. En tout cas, la 70e minute, ça peut être le bon moment. Avec Camille Abili, on a anticipé le retour de Sarvas. Une faute, Sarvas qui vient s'excuser, qui prend un jour de passage. Et elle est prête, Amandine Henry.
pour faire son entrée. 24 ans Amandine, 24e sélection pour la Lyonnaise. Eh ben voilà, en fait c'est Elise. C'est Elise Bussagli hein, qui va souffler. Et Amandine Henry qui va se retrouver au milieu de terrain. C'est vraiment un très très bon match, Elise. Ouais. Très bon. La retrouve comme, comme j'ai envie de dire en Coupe du Monde 2011. Voilà, on retrouve, elle retrouve vraiment la forme. Après une année difficile à l'OL, elle a pris le rythme. Et toute sa famille doit être contente, et les frères oui. et tout ça. Oui. Ils se déplacent vraiment. Souvent pour voir la frangine. La supportrice de Sedan. Ouais. Je me souviens d'eux, la Coupe du Monde en Allemagne. Ouais. Ils ont dépouillé un wagon entier. Très sympa. Leur boulot. Leur boulot s'est contré. Et ce sera un corner pour l'équipe de France, pour Louisa Nessib. À 20 minutes de la fin de cette rencontre. Dora Paf et les autres qui reviennent. Eugénie Le Sommer, ça se bouscule. Trop bas ce ballon. La frappe de Camille, trop écrasée, le retourné de Eugénie dans les bras de Reka Zox. Difficile. Oui, difficile. Dans ce sens-là. Hein. Oui, oui. Vraiment c'est le. Il faut laisser passer le ballon et le rattraper puis, ensuite. Un petit tibia. Ouais. Nous avons Nessib avec Gaëtan Tinet. Nessib elle est passée. Allez, l'accélération maintenant. Face à Zabo. Il y a leur boulot. Elle est passée là encore, Louisa Nessib. Elle cherche là-bas au deuxième poteau Elodie Tomis. Avec derrière elle Gabriela Tote. On va s'appuyer sur Sabrina Delannoy. Elle a glissé. Oh, attention. Oui, effectivement, là, elle lui a fait mal. Ouais, ça semble pas volontaire. On va voir cela. Elle a pris un coup, Timéa Gall, la joueuse du MTK Hongaria. Oui. Ah, c'est-à-dire qu'elle a le pied qui accroche oui. derrière. Oui. Et le corps continue d'avancer avec la. Oui. Sa boîte bat. En plus, elle est face à son but. Donc là, je pense qu'il faut rester debout quoi, pour justement chercher un corner. La tête d'Amandine Henry. Il faut jouer simple. Wendy Renard avec l'emboulot. Elle est tatinée un peu trop poussée ce ballon. Intervention hongroise, mais l'emboulot récupère avec Wendy Renard et Amandine Henry maintenant. Sabrina Delannoy et Laura Georges. Point de bloc bas. Il y a un ligne de 5. Et... 4 joueuses. Camille Abili. Qui va pour la deuxième fois. Butel, la joueuse de Juvisy. Très prometteuse. Oui. Un gros gros mental.
Oui. Parfaite dans le tempo, dans le timing et précise. Sinon, il y a toujours un pied qui traîne. Là, il faut un peu plus de mouvement sur le côté. On a vu Louza, un cas fixé qui attendait certainement. Tant de jeux, mais elle a été patiente. Elle a une alternance. Donc c'est bien. Oui, mais il y a des jeunes qui sont peut-être moins patients qu'elle. Elle a... Et puis il y a de la concurrence devant à Lyon. Exactement. Quand même, hein. Exactement. Il y a du très très lourd. Hein. C'est pour ça que c'est bien. C'est bien pour elle. C'est un signe fort aussi qui est envoyé par l'équipe de France et à la joueuse et au club. Amandine Henry. Avec Sabrina Delannoy, la voilà, Mel Majri. Elle a oublié le ballon face à deux Hongroises. Pas trop en faire non plus. Hein. Eugénie Le Sommer avec Camille Abili. Et à gauche, on va chercher et trouver Louisa Nessip. C'est parfait, au cordeau, au millimètre. Laure Boulot encore face à deux Hongroises. C'est contré par l'épaule gauche de Dora Papp. Et une touche pour l'équipe de France. 10 minutes. Indécible avec qui laisse ce ballon à Wendy Renard. On pourrait rentrer à 3-0 sur un match international, c'est l'idéal. Hein. Oui. On ne demande pas de faire la différence. Voilà. Oui, exactement. On fait ce qu'elle sait faire, ni plus ni moins. Je trouve que c'est bien aussi pour Anaïs. Nessib qui se bat comme si c'était la première minute. Elle a toujours pas marqué Louisa. Hein. Ça donne des bons ballons. Attention, Amandine Henry, la frappe, elle est contrée par le dos de Timé Agal. Corner pour l'équipe de France. Et un changement à venir. Côté hongrois avec l'arrivée de Lila Nagy, la joueuse du MTK Hungaria, qui va remplacer Fanny Vago. Remplacée par la numéro 13, Lila Nagy. Sur le côté droit. Qui a fait son match. Hein. Ouais. Beaucoup d'efforts défensifs, mais quand elle a le ballon, elle est pas mal à droite cette joueuse. Nous en décide. 80e. Directement dans les bras de Reka Zox. Tire un peu des 6 mètres. Dans une gardienne qui culmine à plus d'un 90, si vous lui mettez dessus, c'est cadeau. Camille Abili, mais derrière, c'est Anaïk Butel, me semble-t-il. C'était bien ça. Zabo. Mais leur boulot était là. Éveillé. Pour cette équipe de France qui va récupérer ce ballon. Camille Abili avec Amandine Henry. Sabrina Delannoy. Avec Eugénie Le Sommer. Amandine Henry, Eugénie Le Sommer. Yamagerie à droite, Eugénie Le Sommer. Dans la profondeur qui cherchait Gaëtan Tinet. Un mètre trop loin. Oui. Avec la pluie, ça fuse. Oui. Un peu trop claqué, ça passe pas assez dosé. L'équipe de France qui va
continuer son parcours jusque-là serein et tranquille dans cette poule qualificative pour la Coupe du Monde 2015 au Canada. 7 matchs, 7 victoires. On rappelle que jusqu'ici, les Bleus avaient marqué 41 buts et n'en avaient encaissé que 2. Il faut dire que face à la Bulgarie, elles avaient marqué 10-0 et 14-0. Ça facilite, ça soigne les stats. Mais 4-0 face au Kazakhstan, 3-1 en Autriche, 7-0 encore face au Kazakhstan au match retour. Et puis les doubles confrontations, je vous le disais, face à la Bulgarie, où elles ont tout simplement marqué 24 buts. Il y a la Bulgarie et les autres. Oui. Ils ont même perdu encore aujourd'hui, face au Kazakhstan. Face au Kazakhstan, oui, 4-1. Allez, dit Philippe Bergeron. Il faut continuer. C'est important de garder le rythme pendant les 90 minutes. Pour le jour où ce sera plus difficile. Philippe Bergeron, qui est encore invaincu avec cette équipe de France féminine. Et pourtant, rappelons-le, et on l'avait commenté ce match, elle va affronter la Suède. Oui. Ça en était très bien sorti. Très bon match. Suède, une des meilleures nations au monde. Dans le prochain test, et ce sera encore sur les 17, ce sera le 11 juin face au Brésil, tout simplement. Oh, le bon ballon pour Luisa Nessim. Peut-être qu'elle a tort de se remettre comme ça là sur le côté droit vers le centre. Oui, je pense qu'elle doit l'emmener justement avec son pied droit, peut-être sur le côté gauche. Voilà, exactement, sur sa prise de balle. Parce que là, elle se remet un peu dans la au milieu densité, voilà, exactement. Dans la densité adverse. Quel caviar. Oui, très bon ballon. C'est là sur cette deuxième touche de balle, elle ne s'emmène pas comme il faut. Quel caviar ce ballon! Et là, elle peut gagner un temps même en mettant peut-être bien à l'extérieur du pied droit. Camille Lili avec Sabrina Delannoy. Et Amandine Harry, Delannoy encore. Wendy Renard. Circulation maintenant, on se projette vers l'avant. Ici, Babili, attention! Ok, hop là, oui, un petit coup là. Lila Nagui là, qui vient de rentrer, petite poussette dans le dos de leur boulot. Et cela n'a pas échappé à Madame Kova. L'arbitre de République tchèque qui officie ce soir. La Kazox lui a donné un peu d'air à cette équipe de Hongrie. Il cherche quelquefois un peu trop la profondeur rapidement, sans directement s'y mettre. Au lieu de jouer peut-être dans les pieds, sur des joueuses excentriques qui viennent justement entre deux, au lieu de tout le temps demander en profondeur. Ouais, là, elle a glissé. Timé Agal, fait la tête d'Amel Majri. Pas beaucoup de ballons, Amel Majri. Elle se gagne la confiance sur le terrain aussi. Oui, je pense aussi, oui. C'est beaucoup d'automatisme à ce niveau de jeu et... Je pense qu'il faut jouer avec ses qualités à mettre surtout dans les pieds aussi. Donc voilà, pas dénaturer son jeu, pas vouloir aller trop vite vers l'avant. Butel a perdu ce ballon. C'est contré et récupéré par Majri, mais ce sera une touche pour la Hongrie. C'est là où Majri, sur cette situation, elle peut venir, comme d'ailleurs Elodie Tomis, hein, quand au lieu de toujours demander en profondeur, de quelquefois venir vers la porteuse de balle pour libérer le couloir. Donc ça, on voit un petit peu moins chez les Bleus. Anita Padar qui va faire sa rentrée et qui va succéder à celle qui officie en pointe mais qu'on a finalement assez peu vue, Zanet Kajan. Anita Padar, joueuse du MTK Hungaria. La plus capée des Hongroises. Ouais. Si nous, on ramène du sang neuf, du sang frais, là, c'est la doyenne. On ramène de l'expérience. Ouais, absolument. 8, Anita Padar. Il a marqué. Et on rappelle quand même qu'il y a eu ce coup franc dangereux pour la Hongrie. Donc il y avait 0-0. Oui.
pas certain que ça aurait empêché les Françaises de gagner, mais bon. Je pense pas, ça aurait pu mais... les mettre dans la plus dans, en difficulté. Hein. Allez, Magerie, bien joué ça. Ça c'est un bon ballon avec Lisa Messi. Attention dans le dos de Louisa. Toutes ces équipes, on n'a pas le droit de prendre de but, ça c'est certain. Oui. Bon, j'ai envie presque de dire que vous en étiez 3 ou 4, ça n'a pas trop d'incidence, ce qu'il faut c'est pas en prendre. Oui. Ce serait vraiment erreur de parcours, on va dire ça comme ça. Mais on notera quand même qu'il aura fallu, pour garder un œil un peu critique, quand même, 35 minutes pour marquer. Ouais. C'est beaucoup. Ouais, France aurait pu le faire plus tôt. Ouais. Il y avait des occasions. Et ça va quand c'est face à la Hongrie, mais face au Brésil ou à la Coupe du Monde. Et on se souvient de tristes éliminations aux Jeux Olympiques ou à l'Euro plus récemment où la France dominait, mais n'arrivait pas à marquer. Oui. Et comme souvent en football, c'est ce qui fait la différence. Et le plus frustrant a été pour cette équipe de France que ce soit à Londres ou que ce soit à l'Euro en Suède, on avait tellement, et c'était d'une évidence absolue, que la France dominait était meilleure, mais dominer n'est pas gagné au foot. Oui. Et il faut savoir marquer. Vous avez si, Le but d'Amel Majerie, première sélection en équipe de France, et 1-0, c'est, permettez-moi l'expression, un beau minutage. Oui, ah, puis elle a été le chercher, c'est bien. Et elle est contente, hein. Ça fait plaisir à voir. 4-0 pour les Bleus. Et oui, il faut se battre, évidemment. 21 ans. Le centre de Louisa Nessib. Un peu d'égarement derrière. Et en deux temps, elle y arrive. Bel enchaînement. Ouais. Demi-volée. Que la gardienne sort bien hein, sur elle quand même. Elle y va. Ouais, c'est bien joué. Elle met bien. Cette belle reprise du pied droit. Et 4-0. Bravo à Amel Majerie. Quoi de mieux que d'ouvrir son compteur dès sa première sélection. En tout cas pour les stats, c'est fort. Hein. 1 sur 1. Ouais. C'est bon pour la confiance, c'est bien. C'est presque du niveau. Laissez-moi retrouver ma petite fiche de Marie-Laure Delis qui n'aura plus que le banc aujourd'hui. La parisienne que l'on salue, la sympathique Marie-Laure Delis. Regardez, elle a 74 sélections et 55 buts. Oui. Ça, c'est du lourd. Vous avez cible. Difficile. Et elle le sort de ce ballon. Pas pour longtemps. Mais elle fait l'effort à la 89e minute. Bravo, elle vous a décidé. Oui, donc le ballon ne sort pas en 6 mètres. Voilà, c'est une joueuse. Regardez, c'est récupéré maintenant. C'est bien joué. C'est une championne. Annaïk Butel. Ces joueuses aiment jouer, donc elles le font ressortir. Et 3 minutes de temps additionnel. Amandine Henry, bien joué avec Majerie. Majerie encore un peu trop poussé ce ballon. Et bien défendu. Dommage, bonne combinaison avec Amandine Henry. Ce sera néanmoins un corner pour l'équipe de France. Je pense qu'elle a réussi. Si M. Yvan Baudenès dans son quart magique peut nous montrer ça. À voir. Public également se disait ouais, bon bref. Il me semble que oui. Non. Non. Peut-être qu'on ne voit pas dans le bon angle. Pas besoin de 15 vidéos qu'on voit. Si. Du bon oeil alors. Voilà, peut-être. Peut-être que je suis pas de bon côté. Mais là, c'est un problème de lunettes. Ah. Et si. Eh oui. La voilà. Pointe du pied droit. Donc, c'est le bon oeil. Donc, c'est mon oeil qui va pas. Voilà. Non, c'est la faute. Non, c'est la faute du réalisateur qui n'est pas montré le bon angle. Je plaisante, évidemment. Mais merci d'avoir montré bien vu. Bonne image. Ouais. Ça semble évident sur un angle. Louisa Nessib encore et toujours la tête de Sabina Tolazzi. Qui aurait été très présente la numéro 18 hongroise. Amandine Henry. Allez. Avec Sabrina Delannoy. Le centre. La déviation de la tête de Jenny Le Sommer pour Louisa Nessib. Qui est signalé. En jeu. Il n'a pas marqué jusque
Magdalen, je crois qu'elle ne doit pas s'en vouloir. Elle a fait un gros match ce soir. Non, beaucoup d'activité, vous avez vraiment. Beaucoup de volume encore. Beaucoup de danger, apportant beaucoup de solutions aussi. Sur Alexandra Servas. Alors, ont-elles la possibilité sur un dernier ballon d'ouvrir leur compteur? Les Hongroises. On a de la taille quand même derrière. Elle est où? Elle est tranquille, tout va bien, on s'en rebondit. Et c'est fini! 4-0, Tomis 35e, Abili 52e, Tiné 61e, Majerie 87e, 4-0 pour l'équipe de France qui a fait le boulot. Oui, c'est une bonne chose de fait, voilà, ça c'est plus à faire, il fallait continuer sur la bonne dynamique et c'est chose faite, donc c'est bien, ça leur permet d'attendre le 11 juin avec de la confiance et de la sérénité. Et de la sérénité. D'ici là, on connaîtra le dénouement du championnat de France de première division. Merci à toutes et à tous, merci à Thierry Schellmann, à Alexandre Perrin, à toutes les équipes. Merci beaucoup à Sonia Azirage. Et à très bientôt, France-Brésil, le 11 juin sur D17. Passez une très bonne, agréable fin de soirée. Au revoir. Le Zap.